Tchapaïev, c'est l'un des plus solides rescapés de l'ex-équipe de la CEI, puisque désormais, vous le savez, à Atlanta, eh bien, l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie, l'Ouzbékistan et d'autres républiques joueront pour leur couleur. Mais une fois par an, à l'occasion de cette tournée à Paris, eh bien, ces républiques jouent le jeu de la réunification pour nous présenter une équipe tout de même qui fait encore rêver. Et Voropaïev fait partie de ce pilier de cette grande école de l'ex-URSS. Un gré de force et d'élan à la fois. Ici, immédiatement, une planche libre, les épaules à hauteur des anneaux, qu'il double. Équerre, croix de fer équerre, remontée. Établissement bras tendu, jambes tendues et serrées jusqu'à l'équilibre. Et maintenant une partie d'élan peut-être après cette croix de fer renversée, un tout petit peu haute. Voilà, un grand tour en lune, bras tendu. Et la sortie, double arrière tendu, légèrement carté avec une vrille. Voropaïev qui sera à Atlanta dans l'équipe de Russie. Il avait été deuxième des championnats du monde à Brisbane et ce n'est pas si loin. Finalement, c'était en 1994. Voropaïev qui s'était incliné devant Ivankov, le Biélorusse. Belle croix en équerre.